Salam, 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 alaykoum, sur la chaîne de Mahmoud. Je me suis rendu compte que la dernière fois j'ai commencé comme ça, tranquille, pépère, je me suis pas présentée, rien du tout. Mais je me dis qu'on aura l'occasion de se connaître au fur et à mesure d'autres vidéos. Disons que ça parlera de mode, de lifestyle et d'art, évidemment, toujours. Et pourquoi j'ai commencé YouTube? Il se trouve que j'avais vu une conférence d'Idriss à Berkane, donc c'est un conférencier dont vous trouverez des vidéos sur YouTube également, qui parlait d'économie de la connaissance. Et il disait un truc vachement compréhensible du commun de tout le monde, c'était 1 plus 1 égale 3. C'est simple, lorsque tu partages une connaissance, elle se multiplie, alors que lorsque tu donnes de l'argent, il se divise. Et si on faisait un petit tour du côté de l'histoire de l'art? Le sujet du jour est les 15 œuvres les plus connues avant le 20e siècle. Première œuvre. Regard pénétrant et sourire au coin. On va commencer par l'œuvre qui fait soulever des foules au musée du Louvre. J'ai nommé Mona Lisa de Léonard de Vinci, également appelé La Joconde. Ce tableau est considéré comme un chef-d'œuvre car reconnu dans le monde entier et également par la communauté scientifique. Il est entouré d'un mystère. S'agit-il de la femme d'un riche marchand ou bien l'autoportrait de l'artiste lui-même? That is the question. C'est l'une des celles les plus célèbres parmi les fresques des grandes voûtes de la chapelle Sixtine, la création d'Adam par Michel-Ange. Même sans le vouloir, je pense que vous connaissez tous les mains touchantes de Dieu et d'Adam, qui ont donné lieu à de nombreuses réinterprétations contemporaines, et en gros, bien qu'explicite, ces scènes représentent la naissance biblique d'Adam. 3, 3, 3, 3, 2, 2. La jeune fille à la perle de Vermeer. Initialement appelée la jeune fille au turban, elle est considérée comme la Mona Lisa de l'Europe du Nord. Je dois vous avouer que ce tableau ne m'inspirait pas grand chose, mais merci au confinement, il y a quelques temps je zappais sur France quelque chose et je suis tombée sur un film qui explique l'origine supposée de l'œuvre, et en actrice principale, devinez c'était qui? Scarlett Johansson! Hey hey! Toujours Léonard de Vinci avec un autre de ses célèbres tableaux, La Seine. Cette œuvre datant de la fin du 15e siècle a été, disons, peinte de manière anachronique afin de se fondre dans l'espace de l'église Santa Maria. Lorsque je dis anachronique, en gros, ils ont pris des éléments de l'église même et il a repris ces éléments-là dans son œuvre pour qu'on ait l'impression que le Christ et ses 12 apôtres partagent un repas dans cette église. Donc, comme je le disais, cette œuvre représente le Christ et ses 12 apôtres qui se disputent lors d'un moment de convivialité qu'est le repas. Et un peu de douceur dans ce monde de brut. 5. Les Nymphéas par Claude Monet. Vous pouvez retrouver cette œuvre au musée de l'Orangerie à Paris. Elle est issue d'une série de 250 œuvres appelées les Nénuphars, directement inspirées du jardin de Giverny de notre ami Claude Monet. En fait, le gars a tout simplement fait aménager un espace tout entier, donc un jardin entier, pour que lui puisse créer des œuvres d'art en gros. Et si vous me demandez c'est où Giverny, je vous dirai une lune éblouissante, des astres en spirale et un petit village. La nuit étoilée par Van Gogh. Je sais pas si vous avez suivi la dernière vidéo sur les selfies, mais je vous disais que Van Gogh avait des problèmes psychologiques. Et bien là, il s'agit d'une vue subjective par la fenêtre de son hôpital psychiatrique. Par Guernica par Pablo Picasso. Cette œuvre a été faite juste après les bombardements de la petite ville basque de Guernica, suite à la demande du gouvernement nationaliste espagnol. Et cette œuvre est la commande du gouvernement républicain espagnol. Elle est symbole de guerre et de tragédie, d'où son absence de couleur. Le déjeuner sur l'herbe d'Edouard Manet. Cette œuvre a été initialement exposée au Salon des Refusés. Donc en fait, c'est un salon où on expose les œuvres qui sont refusées au salon. Ouais, le truc s'appelle salon. Pour atteinte à la pudeur et aux mœurs de l'époque et non-respect du style académique de l'époque toujours. Donc on voit le corps d'une jeune femme mise en lumière à côté d'hommes très bien vêtus. Ouais. C'était juste après la période dite pornographique de l'artiste d'après les critiques. Le baiser de Klimt, d'abord très très mal accueilli, a été racheté par le gouvernement viennois car jugé d'intérêt national. Comme quoi, tu vois, les goûts et les couleurs, c'est hyper subjectif. De couleurs, des géométries, de feuilles d'or, c'était d'ailleurs la période or de l'artiste qui exacerbe son érotisme, sa beauté, sa magie, où le corps de l'homme et de la femme ne forme qu'un. Que c'est beau.
C'est le genre de tableau que tu vois accroché dans la salle d'attente de ton dentiste et tu sais pas pourquoi. La persistance de la mémoire par Salvatore Dali. En fait, c'est un tout petit tableau qui représente des montres molles et une sorte de forme inerte dans un espace, enfin un paysage espagnol d'où est originaire l'artiste lui-même. Œuvre majeure du mouvement dit surréaliste qui nous emmène dans le subconscient de l'artiste lui-même. Pour faire quoi? Mais alors, très très court. La liberté guidant le peuple par Eugène Delacroix représente l'une des révolutions des Trois Glorieuses en 1830. Qu'est-ce que sont les Trois Glorieuses? C'est tout simplement la deuxième révolution après celle de 1789 qui ont eu lieu le 27, le 28 et le 29 juillet 1830. Une sorte d'allégorie de la rébellion du peuple parisien. Si tu veux, c'était un peu les gilets jaunes du 19e siècle. Cette œuvre a souvent été utilisée comme symbole de la République française et ou de la démocratie. La naissance de la Vénus par Botticelli, chef-d'œuvre de la Renaissance. C'est juste la 700e fois que je répète cette phrase. Des roses tombant du ciel, née de l'écume de la mer, une douce représentation mythologique de la naissance, de la déesse de la beauté, de l'amour et de la pureté. Alors c'est quoi la suite déjà? Vénus sur un coquillage. J'aurais dû faire poète. Le triptyque de Jérôme Bosch dit Jardin des délices. En fait, il s'agit d'un retable, donc c'est une œuvre en trois que tu peux plier en gros. Elle est la représentation fantasmagorique, complètement surréaliste. Oui, c'est une amorce au surréalisme, mais genre au 15e siècle. Genre petit personnage coloré, paradis et enfer. Et en fait, lorsque tu le fermes, donc il reste deux panneaux, et tu vas voir la terre, donc c'est la création de la terre, entre guillemets, dans une espèce de camailleux de gris. Voilà. Couleurs saturées et formes simplifiées, voire primitives, la danse de Matisse. C'est une œuvre majeure de l'art moderne, ode à la joie et à l'abandon physique. Il en existe deux versions, dont la deuxième s'appelle Musique, et c'est une commande d'un riche industriel russe. C'est pour ça qu'on en trouve une à Saint-Pétersbourg et l'autre à New York. Elle fait partie du classement parce qu'elle symbolise à elle seule l'émancipation de l'art par rapport aux conventions de l'époque. Il faut se dire juste qu'à l'époque elle était considérée comme barbare. Issue d'une série de 5-6 œuvres, en fait j'arrive pas à savoir, Le Cri d'Edvard Munch. Je suis sûre que tu connais cette œuvre parce qu'elle fait partie de ces tableaux qui nous hantent en secret. Ici on va parler d'expressionnisme entre aliénation et solitude. This is a tableau anxiogène. Paraît même que c'est une autobiographie. Et c'est... Mais pourquoi faire court quand on peut faire long? La grande vague de Kanagawa par Okusai. Appelée également la vague, il s'agit simplement d'une estampe et la plus fine des estampes de l'histoire de l'art japonais. Elle fait partie d'une série qui représente le mont Fuji. Tu vois le petit truc là au fond de l'œuvre? Ben c'est ça, le mont Fuji. This is the end, my only friend, the end. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une deuxième version, c'est-à-dire les œuvres majeures après le 20e siècle, vous savez ce que vous avez à faire. Laissez-moi plein de commentaires. Yeah, yeah. Oh, je suis en mode comédie musicale aujourd'hui. Ciao!